Et bonjour YouTube, comment allez-vous? Partie 11 de Death Stranding avec Norman Reedus, entre autres, hein, Sam Porter, le transporteur, hein, mais ce n'est pas Jason Statham. Donc on est parti, mission en cours, étant d'aller récupérer, faire un petit aller-retour dans cette zone pour récupérer des vieux composants. Ensuite on les ramène au ferrailleur. Très bien, donc c'est marqué, c'est en face, c'est là-bas. On y go, 500 mètres. On y va à pince, évidemment. Ça, on a pas le choix. Donc, j'ai un truc flottant que je pourrais prendre et ramener pour ramener la marchandise. Il faut 60 kg pour valider la quête, minimum. L'idéal étant de ramener 110 kg du composant. Hein, voilà. On va faire ça. Sympa cette petite zone, la aride. Hein. Et au passage, on prend des cristaux. Voilà. Ce serait dommage de ne pas les prendre. There we go. Toujours pas là, hein, ouais. Donc là, je pense qu'on est bien. J'aime bien cette zone là, plate, comme ça, pas plate. Sans aspérité. Sympa. Ça change. Rayou. Alors, donc c'est ici, a priori, il y aura des échoués. Oh. Des métaux. Non, nous il faut des vieux composants, donc les métaux on s'en fout. C'est par là, hein. Faites connerie, ouais, c'est là. Donc on a déjà fait, on a déjà fait 300 mètres. Je ne cours pas volontairement, je garde du boost pour l'exosquelette. Ah, il y a du monde ou pas? Non. Vieux composants, ça y est, il y a 10 kilos là-bas. Ah oui, il pleut, évidemment il pleut. Saloperie. Ah mais je suis bête. Ah ouais, j'aurais pu utiliser les précipitations. Ah mais alors là, laisse tomber, je suis en plein dans la pluie là. Les prévisions à 30 minutes, c'est pareil, hein, c'est que de la pluie. En fait, il pleut dans cette zone, mais pas là. D'accord. Je suis entré dans une zone de pluie. Salut Medine, bonjour Lucas. C'est ça. Hein. Ça serait bien. Je m'abrite. Est-ce qu'il... À votre avis, est-ce qu'il peut s'arrêter de pleuvoir? Bah là, il pleut au travers. Bah oui, c'est con ça. Pardon, c'est bête. Dommage. Oui, oui. C'est qui est drôle? C'est quoi qui est drôle? Ouais, c'était sûr qu'il y aurait des méchants. Il va y avoir des méchants. Je peux pas les buter, les méchants. J'ai 14, ça va, j'ai 14. Je peux pas les buter avec ça. Ah, je suis protégé là! Dangereux ça, c'est dangereux! Oh là là, malheureux! Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, mais ça les stun, c'est tout! C'est tout, ça les stun!
Ça permet pas de débuter. Et j'ai plus de grenades de trucs là. Ah ouais, donc peu d'intérêt. Très peu d'intérêt. Ah, où je peux passer là? Ça dure longtemps ou pas ce bordel là? Allez, c'est fini. C'est fini. Je passe autour là, bordel. Bien là, par là, non? Ouais, mais non. Ok, si, peut-être. Ah, mais attends. Je sais. Je suis protégé là ou pas? Ouais, protégé. Je vais faire mon petit transporteur là. Non, je peux pas. Déposé. Hop. Porter sur le dos, mais là oui, mais non. Vol peut mettre sur le transporteur là. Ouvrir un menu marchandises, ça va. Vieux composant, 30 kilos. Voilà. Voilà. Non, il faut confirmer, c'est vrai à chaque fois. Il y en a beaucoup des trucs là. Ils sont tous là, je pense. Ouais, c'est ça, ils sont tous au milieu. Alors, ça. 69 mètres. 61 mètres. 194 mètres. 121, ouais, c'est pas loin tout ça. 89 mètres, c'est pas loin. 15, ouais. Je vais passer par là. Salut hydrocarbures, bonjour. C'est pas là tu penses hein? Quand même. Bizarre ça. Donc là il y en avait un, hein. Ah, d'accord. C'est celui que j'ai stun tout à l'heure. Allez, ça passe sur une aspérité là. Ça passe, ça passe. Ah mais non mais je l'ai pas. Ah si c'était déposé, attends, je pouvais. Il était au sol, il était au sol. Ouais, non porté. Non porté. Transporteur. Et on confirme. Ça te fera en retour. Ah mais je sais qu'il est là, mais calme-toi. Non, il est où d'ailleurs? Où ils sont? Ah, il y en a un là, d'accord. Ok, il y en a un là. On va essayer de tout prendre quand même. J'ai 50 kilos là déjà. Un, deux, trois, et le quatrième. Ok. Je pense qu'il va y en avoir un par là aussi, c'est quasiment sûr.
proximité de l'objectif, ça me paraît assez évident. Ah, tu vois, y'en a par là, c'est sûr. On s'approche pas trop. Ah, transporteur. Oh, il n'y en a pas qu'un, ouais. Il y en a quatre. Oh my god. À quatre. Sérieux. Et là aussi, il y en a un. Il y en a un ici. Chaud, 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 chaud. Alors. Ok. J'ai tous les prendre, faut pas déconner. 80 kilos. Oh, chaud. Juste là. Ouais, sinon c'est pas drôle. Il y en a aussi une pile devant. Sinon c'est pas drôle. Bien. Ah putain, ils mettent une pression ces cons là. Putain, mes bottes sont déjà usées à 9%. Trop vite. C'est bon. Calme. Ok, ça a l'air pas mal de ce côté-là. L'équipement est atteint. T'es juste là, il est juste là. 10% les bottes déjà, mais c'est un truc de fou, ça va. 110 kilos, c'est bon. 110 kilos. Ah, y'en a un là, merde. Non, parce que là, le truc, c'est que c'est lui d'Artagnan. Je reviens de là-bas, ouais. Ouais, d'accord. Ah, je suis assez éloigné normalement. J'ai l'impression qu'ils ont modifié un petit peu le field of view avec le dernier mise à jour. Non, peut-être que je me fais des idées, mais on voit mieux le... Ah mais non, c'est parce que j'ai rien sur le dos, je sais pas. J'allais dire, on voit mieux le petit bonhomme. J'ai rien sur le dos. C'est rien, c'est rien. Merde, y'en a un là. Allez vite, putain, je prends des dégâts de pluie là. Pourquoi il tourne comme ça? J'ai dit d'aller tout droit, il tourne. Space. Ok. Je pense que je vais être bien là, je vais pouvoir sortir.
Je prends les alliages spéciaux, au passage. Je mange pas de pain. Hein, comme on dit. À toute, Tessie. Je peux sortir de la zone. Ah c'est bon, j'ai senti. 3 likes reçus de la part du bébé. Le bébé met des likes. Allez, on trace un peu. Ah, je peux pas tracer. Je peux pas tracer. C'est dommage. Si, un petit peu. Un petit peu. Et que je sorte un petit peu de la zone de puits, là. Bon, ça va, ils étaient relativement espacés, les échoués, là. Donc, les BT. Ça va. C'était pas trop compliqué. C'est pas compliqué du tout d'ailleurs, hein, on peut le dire. N'ayons pas peur des mots. Je suis en train d'utiliser du boost là, hein. Ouais. Email reçu. Utilisez-vous des poches d'équipement. Je crois pas. Qu'est-ce que c'est? Eh, pareil, je peux l'utiliser en descente, le truc là. Voilà. Oh, ça va être plus sympa là. Regarde, regarde ça. Oh. Genre, je peux pas monter dessus là. Monter sur le dos, mais non. Je peux pas monter sur le transporteur parce qu'il y a déjà des trucs dessus. Ça le dégage. Oh ouais, cool cool. Ok. Vite parce que ça s'use là. Ça s'use. Ah il peut plus, c'est bon. Oh la vache. Et si vous faisiez trempette aux sources chaudes? Qu'est-ce que c'est que ces emails que je reçois là, je comprends. C'est que c'est quoi ça? Source chaude? Heureusement pour vous, je connais l'endroit parfait pour ça. Des sources chaudes à 2 pas au nord-est de la planque du ferrailleur. Au nord-est. Les thermes epiptiques du cratère. Parfait pour faciliter la digestion si vous êtes un peu bloqué à ce niveau-là. Les eaux sont aussi excellentes pour toutes les douleurs. Elles ont apparemment des propriétés miraculeuses, idéales aussi pour les bébés un peu stressés. À 2 pas au nord-est du ferrailleur, d'accord. Je ne savais pas. Alors les poches d'équipement, c'est quoi? Si vous avez une poche d'hémoglobine sur vous, je vous conseille sérieusement de la mettre dans une poche d'équipement. Mais j'ai vu que c'est les poches de ma combinaison, quoi. C'est... Voilà. Les emails sont lus, c'est bon. J'ai reçu des likes de la part des gens qui m'ont envoyé des emails. Parce que je les ai lus. Bon, bah, les livraisons, elles sont belles là. Hein. 110 kilos. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID. Oui, c'est vrai qu'il y a des weapons détectés. Attends, je vais ranger mon arme. Hein. Allez, elle est bien rouillée mon arme aussi. Hein. Allez, livraison, livraison. Bonjour. Donc c'est bon, hein, terminé la commande. J'ai 110 kilos, c'est ça. Hein. Livraison partielle indisponible. Ok, super. Oui, confirmé, pardon. Confirmé. Confirmé. Voilà. Bonjour.
Oui. Qu'est-ce que c'est? Elle doit être un petit peu limitée, non? Je sais pas. Là, je fais ça. C'est mandatory, ça? Je suis obligé de regarder ça ou pas? Comment ça se passe? Je peux pas passer. Je crois qu'elle essaie de communiquer. Bon. C'est l'une d'Haïti. Ça va, puis toi? N'est-ce pas? Bien, bien. Ouais. Alors, les résultats. Donc, j'ai livré 110 kilos. On passe tout ça, hop. Rang S, évidemment. Donc, la bagagiste éminent. Ok. Ça avance, ouais, ben j'ai pas repris. Enfin, je reprends là après. Hier, j'en ai pas fait. Rebuild the country. My girl would still be alive if it wasn't for you people. She was there. When the terrorists tried to take us out, not. She was already dead. Because of you. He's wrong. She's in a shelter southeast of the ruins. Ah. Mind if I take over? If he's not coming outside, then it doesn't matter who yells over the wire. And I'm guessing he'll feel better taking it out on me. Ok, ok, ok. C'est encore de la route alors? Oui, tout à fait. J'ai pas encore fini le chapitre 3 pour l'instant. Hey Bridges. Fragile said my girl's alive. Yep. And I'm just supposed to leave her? After what she did? Hell no. You're gonna need to prove it. And there's only one way out. Ramenez-moi sa tête. I'll give you something to take to this woman you found. She says hers? You bring her back here to me. Take this with you too. It's a skeleton I made that proves stability and mobility. Oh, that's good. Threw together some of the parts I've got lying around. Just so we're clear, I'm only giving it to you because I want to make abso-fucking-lutely sure you complete this delivery. If my girl's still alive, then when she sees what you're carrying, she'll want you to bring her here. You do right by me. I'll do right by you. Ok, donc je peux toujours pas le connecter lui, hein. Il faut que j'aille voir sa copine. Hein. Je peux pas le plier le transporteur là? Oh, merde. Ah, attends, du coup, faut que j'accepte sa mission là, c'est ça? Une raison de sablier. Ah. Oh, non, c'est pas à côté non? C'est moi ou c'est pas à côté? C'est un peu plus loin que le truc là. Studio de l'artiste qui râle. On accepte évidemment. Hein. Mais c'est bizarre. Ouais. Si on en croit le ferrailleur, le sablier qui râle est un objet de très grande fragilité. À la main. Prendre à la main. D'accord. Ok. Ah d'accord. Prendre dans la main droite, dans la main gauche. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Enfin. Hein. Squelette de célérité. Sam, that active skeleton is built for speed. It's designed to augment muscle movement, enabling you to travel faster. There's even a boost function if you really need. Ah nice. Mais quelle est la différence avec l'autre? Ah, l'autre, je pourrais partir plus, et celui-ci, je vais plus vite, c'est ça? Et je peux attacher des trucs à mes hanches, d'accord. Bah, s'équiper du squelette... Ouais, s'équiper. Squelette renforcé, squelette de célérité. Non, j'ai fait une connerie, là. Ah non,
Ah non, dégâts sur container. Attends, alliages spéciaux. Préparation de la livraison, ouais, d'accord. Transporteur, tac. Dégâts, squelette renforcé 32%. Enfin, peut-être que je les répare aussi, spray colmatant là. Ah, mais les sprays colmatants, c'est que pour les boîtes. Ça marche pas sur, sur le squelette, non? Poche de sang, ta-ta-ta. Squelette de célérité, il est équipé. Les... Putain, déjà 18%. Un aller-retour 18%. 12. Pas sur l'équipement, hein, on est d'accord. Damn. Damn. Pourquoi tu... Ah oui d'accord, il veut pas le prendre tout de suite. Alors attends, juste virer du coup... Ah je peux pas, je vais mettre dans le casier. Je vais virer les alliages spéciaux là. Casier. Ouais du coup. On est mieux comme ça. Lance bolas, 44%. Hein, attends. Ok, c'est bon. Et je prends ça à la main. Je prends le truc à la main, là. Il est où? Il est derrière. Il est bougé. Ah bah ouais, non, faut rester appuyé. D'accord. On sait pas où. Là-bas? Tu veux de l'artiste Kira, là? Ah ouais, ça va plus vite, hein. Weapons restrictions lifted. Cool. Ah ouais, ah ouais, il pleut. Encore, mais c'est pas possible. Ils sont partout. Feel that? I feel that. Did this too? Oh my god. What the fuck? DBQ. Damn. Ah ouais, quand j'ai un truc sur le dos, vois-moi. Y'a des mecs partout ou quoi? Qu'est-ce que c'est? De ce côté, on verra mieux. Y'a un mec là-haut. Y'a un mec là-haut. Oh la loose. Bah ouais mais j'ai lâché, mais ouais mais faut rester appuyé, c'est chiant. J'aurais dû le mettre dans L2. Non mais c'est pourri. Ah ouais. Ah c'est pas pratique, faut rester appuyé pour tenir tout le temps le bordel. C'est chiant. Très chiant. J'espère que ça a sauvegardé au début de la mission. On va recommencer. Salut Momo. Le jeu est bien. Ouais il est sympatoche. Sympatoche. C'est assez prenant mine de rien, je pensais pas, je suis assez surpris, agréablement surpris. Bon après le gameplay en soi est bah, ultra intéressant, mais l'histoire est originale et j'ai envie de voir la fin, j'ai envie de voir comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est? J'appuie pas sur R1 pour les voir. C'est une très bonne question. Parce que j'étais appuyé sur R2 avec l'index et du coup, voilà, j'aurais dû mettre le truc dans l'autre main. Enfin, je vais le mettre dans l'autre main, ça sera plus simple.
Ah mais là du coup, ah, putain, en fait, je suis obligé d'appuyer avec le majeur. Putain, c'est chiant. C'est là-bas. Après oui voilà, quand j'ai le petit truc là qui fait ça, j'ai pas trop besoin de savoir, ouais, je peux vérifier où ils sont mais j'ai déjà une bonne indication sur leur position. Ah merde, attends, je suis en train de prendre un truc inutile là. J'ai des alliages spéciaux, ça sert à rien que je les garde. Voilà. Il pleut plus ? Je crois qu'il pleut plus. Hein. Oh, il pleut plus. Il pleut là en fait, il pleut en face. Oh. Passer par là, tiens. Faire un tour, faire un détour. C'est con, j'ai pas la moto là. Oh là là. Bon, à tous les coups, il va y en avoir quand même ici, mais bon, c'est pas grave. Eh, attends, j'ai réussi à supprimer la pluie. Et il pleut. There we go. Voilà, j'ai une indication, je sais qu'il vient de ce côté, qu'il est pas trop proche. J'ai pas besoin de faire erreur. Juste là. Je peux voir les précipitations, ouais, maintenant je peux voir les prévisions météo sur 30 minutes. Mais là, à mon avis, c'est une zone où il pleut forcément. Sur la crête, c'est bien là, je suis sympa. C'est bien là. Faites ça. Il me manque plus qu'une luge et puis j'y vais là. Faites ça. Oh, formidable. C'est le receiver, bonjour. Là, normalement, je vais sortir de la zone bientôt. Ah non, il y a encore de l'herbe qui pousse là. Je vais bientôt sortir de la zone à mon avis là. Ah il est content, tu vois, je suis sorti de la zone, c'est bon. Coucou. Et bon, tranquille. 400 mètres. Ouais, je pense que c'est scripté là, la pluie ici, sur cette zone en particulier. Bon, ça dérange pas hein.
Attends, je vais juste vérifier. C'est quoi ça? Ah oui, non, c'est d'accord. Bah, précipitation. Ah, et voilà. Ah, je vais bientôt sortir de la zone de précipitation. Ah oui, d'accord, ça se déplace. Ok. J'ai l'impression que ça change beaucoup, ça. Voilà. Alors là, donc là, il va plus pleuvoir. On va retirer ma capuche. Putain, mon équipement, il a morflé encore, là. Voilà. J'ai plus la capuche. On va mettre de ce côté. Là-bas, ouais, je vois, c'est là-bas. Très bien. Impeccable. Ah oui, c'est vrai que j'ai le squelette de célérité aussi, tiens. Quand même sympa ça. Hein. Ça vaut pas une bécane. Ah, la bécane qui est horrible. Allez. Alors, petite livraison. Tac. Ouais, d'accord, ouais, confirmé. Delivering cargo. Are you with Fragile Express? Asque. No. You're a British porter, aren't you? Et kiff kiff. Je bosse pour eux. I'm not expecting a package. Oh, it's nothing dangerous, is it? Oh my lord. I never thought I'd see this again. Huh? Let me have a closer look. Oh, incredible. Not so much as a single scratch. Glass. I can't thank you enough. Alors, on passe. On reste. Deux étoiles de connexion. État de. Ah, je vais y arriver. Taux d'endommagement 0%. Très bien. Un ou plusieurs bots ont terminé les livraisons aussi. Super. Ça me fait aussi des likes. 1900 pour 1960, c'est où ça? Oh, je sais pas, c'est bien. Eh, 76 le niveau, hein. C'est bien, ça monte aussi là. Ah, je suis quasiment à 13 heures de jeu en fait. Hein. D'accord. So, I'm on the one and only Chiral network now. That's wonderful. I'm happy to be a part of the UCA. Allez, on peut connecter tout ça. C'est quoi arme de poing anti-échoué? Ok. You'll drop by again, won't you? Pas sûr. Ah! La petite dame avec son sablier. Take me with you. Please. I have to see him again. Oh, le jeu d'acteur est pourri là. Pardon madame, mais tu joues pas bien. I made this for him, you know. When the terrorists attacked,
My mother and I barely escaped with our lives. I tried to find him afterwards. I did. I just didn't know where to look. Where to look? But that's not why I stopped. My mother never liked him. She made that pretty clear. But I didn't think she'd go as far as to lie. So when she said that he died, I believed her. And you heard that message. It's him. It's really him. I should never have given up. Deep down, I knew he was out there somewhere. But I couldn't leave my mother all alone. So I tried to make my peace with it. Only I couldn't. Not even if I wanted to. I was stuck in the past, unable to move on. Take me to him. I'm begging you. Je vais la porter. I'm ready to go. Right now, if you want. Just say you'll take me. Bon, c'est pas pour le faire rabat-joie, mais cette comédienne joue très très mal. Alors elle me dit que je vais la porter. Hein. Je pense que je vais la porter. Nouvelle commande standard ajoutée. Ouais mais non, on fout. Ah non, commande pour Sam. Eh hey, attends, je vais faire une livraison de bottes déjà. Livraison vieux, vieux truc. Ouais, livraison de bottes. Ça fait toujours des likes. Gratos. Hop. Pas de problème ça. Allez, à plus. Il part en chantant, ça c'est rigolo ça. Elle avait pas envie de jouer la scène, ouais, ouais, là, elle a peut-être pas dû, hein. Elle a peut-être pu s'abstenir. Livraison de l'artiste qui a la boîte, c'est ça, je vais la porter en fait, la gueule. La meuf. Un peu comme j'avais porté en fait le cadavre de la présidente au début là. Au début du jeu. Pour la crémation. Taux d'endommagement de moins de 50%. Ok. Ok. Ah non, elle va pas marcher. That there's a handgun configured to fire hermetic rounds. Bullets loaded with your own blood. D'accord. Should do some damage to any BTs you come across. The gun draws blood from your body or any bags on hand to fill its cartridges when in use. Length of trigger pull determines the amount loaded into the next round. Longer pulls mean more blood and more potential damage to the BT on the receiving end. Okay, ouais. Just don't drain yourself dry by accident, okay? D'accord, ouais, calme-toi. Je suis pas idiot. Donc j'en fais un ou pas? Tester. Allez. Le reste, ça j'en ai plus besoin en fait des échelles et trucs. J'en... Marson Ender, poche de sang, il y en a deux en stock, je vais les prendre. C'est près que le matin, il faut que j'en fasse. Ah, il faut que j'en fasse. Je vais en faire deux parce que je vais en utiliser. Ah non, je vais en faire un seul. Il s'est pas décidé. Les bottes niveau 2, tiens, ça c'est bien ça. Taille S. Oh, ok. Quatre renforcés, c'est pas la peine. Véhicule non. Et puis, bah voilà, on est bien là. Hein.
Allez, on va dire qu'on est bien. Salut Artyom, bonjour, bonjour. Spray colmatant. Ouais, tout prendre sur le dos. Ok. L'artiste. Pourquoi elle est... It goes without saying that any falls or heavy impacts sustained may result in injury to the client. Oui, évidemment. So proceed with caution, now more than ever. Okay, 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 okay. Ah ouais, d'accord. C'est quoi que je peux pas prendre? Squelette renforcé, je peux pas le prendre. Transporteur et spray colmatant. Suspendre partout. Bah ouais, je peux. Bah alors. Je peux accrocher à la combi. C'est con. Ah, attends. Ah ça, je peux pas le porter. Ah, je suis obligé de le porter sur le dos, ça. On va le mettre dans le casier, ça. Hop. Le squelette renforcé. Le squelette renforcé, je vais le mettre dans le casier aussi. Et puis le spray, je vais l'accrocher. Hop, voilà, nickel. Comment porter ? Ah, le bolas ! Suspendre porte-outil. Ben voilà, nickel. Tout prendre, là. Ah non, non porté. Attends, non porté. Accroché à la combinaison. Mettre de l'autre côté. On va le mettre sur les jambes, plutôt, d'ailleurs. On va mettre là. Voilà, là on est bien. On est bien ou pas? Les bottes niveau 2. Je peux pas accrocher à la combi juste. Voilà, comme ça. Voilà, nickel. Alors, on est bien. Allez, c'est bon. Salut Eric. Attends. Ouais, bon, le transporteur, je vais le laisser, tant pis. C'est gros, c'est trop gros. Ah. Je crois qu'elle était déjà emballée, la dame. Non. I hold the hourglass. I don't want it to break. La forme avec Eric, je te remercie. Nickel. Eh, mon lance-bolas, il fait la gueule aussi. Hein. Order assigned. Eh ouais. Hein. Bon. Alors, du coup, on retourne là-bas, c'est à 800 mètres. Tu l'as dit, c'est quand même hyper pratique les squelettes. C'est quand même, ça apporte quand même vachement de stabilité, y'a pas à dire. C'est très très pratique. It's not far from here, I think. Ah non, elle va pas parler. Look for the turf. It bubbles up in the spread. That's how you can tell. Ah oui, je crois qu'il y a... Attends, non, c'est pas là. Ah non, non, c'était au nord-est de ça, il y a des sources, ouais, il y a des sources ici. Le bain digestif du cratère. On va pas y aller tout de suite, hein, mais c'est... Ouais, tu te souviens de ça? Bien, tranquille, hein. Terrarium contaminated waste. Ça perturbe un petit peu ça ou pas du tout, non? And vous dérange pas vous. If you don't have time to burn them, there's always the tar. Et chiant un peu, non? Tu peux te taire. Joue avec ton sablier là, vas-y. Va voir qu'il va, il va plus voir. Je vais rencontrer des
Les échouer. Quasi sûr tout ça. Ah, c'est pas mal ça. Un petit peu hein, quand même. Hein. Là, je vois ça. C'est très bizarre. Hein. Allez. Ah, tiens, une petite musique, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas été strike sur Twitch. Le bébé est content ou quoi, chien? Soyez prudent. C'est joué. Ça c'est pareil, hein, c'est quasi sûr. Si, Bolas, ça les stun, les mecs. Salut, Gala. J'ai échoué aussi, j'en ai stun un tout juste avant là, juste avant que t'arrives, Nighty. Un petit coup de bolas et ouais, ça les stun pendant 20 secondes, 30 secondes. Ouais, je suis dans le trafic de chair fer, de chair fraîche là. Oh, équilibre, équilibre. Ah, il y en a encore un devant. Ah oui. Regarde, regarde. Regarde bien. Hop, t'as vu ? Il est stun. Désolé. Coupure de courant. Coupure de courant, les amis. Coupure de courant. Bon. Faut que je redémarre la PlayStation. Désolé hein, pour le petit contretemps. Ça arrive, hein, je redémarre. Ou pas. Bah, du coup, la PlayStation fait des vérifications hein, puisqu'elle était
éteinte pas bien. C'est à 26% là. En attendant, je peux rien vous mettre. Si, ouais, j'ai ça. En attendant. Alors, je crois que le live ne fonctionne plus. Mais je continue l'enregistrement parce que ça serait dommage de s'arrêter là. Alors, quoique, on est déjà à 55 minutes. Donc, vous savez quoi? On va couper la VOD ici. Tant pis, c'est un petit peu abrupt. Mais allez, on se retrouve très vite pour la suite de Death Stranding. C'était la partie 11. Un peu plus courte que prévu, une dizaine de minutes. Mais on se retrouve très vite. Ciao à tous. Bye. N'oubliez pas de vous abonner, tiens, ça soutient et ça évite les coupures de courant. Allez, à plus.